Madame, vous allez être guide pour moi alors. Ah, super. Je parle français, un peu. Pas de problème. Dommage là que tu étais ici, hein. Oh, on est en joie, le vendant. Les danses là-bas, danse. Les vaudous. To the village. Okay, the weather is amazingly good. So that's the place where I was staying. It's very hot. Bread and jam. Just took the breakfast. I will make a very short tour in the hotel and then go on the beach. You can see there is a net in the water. Little crab. You can see here the door, la porte du non-retour. Pretty sure I cannot go inside it. I will go to this monument in front and then hopefully we'll find these villages where I wanted to bring you. Okay, let us walk more and find some hidden secret in Ouida. I'm walking on the side of the construction site and then in the background you can still see some of these houses. I don't know if I will be able to meet this villager. My plan is to buy some sea salt, which is very good to cook. Can see someone is working in the field here. Ouais, ouais. 10 francs. Pas de problème, pas de problème. Si vous voulez me montrer comment vous faites, ça sera gentil. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ici, c'est calme. Pas doucement.
Ok, je vous suis. Ah oui, c'est quand l'eau, quand l'eau elle s'évapore, c'est le sel qui... Sel, tu fais comme ça. Ok. Tu vois. Ok, ouais, bien sûr. Et après comment vous, met, comment vous séparez la, le sel et le sable? Oui. Il faut séparer les deux après. Tu vas pour l'eau. Ok. Va te filtrer. Hein? Il faut tester l'eau là, tu vois avant. L'eau, elle est salée, celle-là? Oui. Ouais, elle est salée, elle est bonne. Elle est fort salée, celle-là, ouais. Oui. Bah, avant, j'ai vu, il y avait... Pour le feu. Hein? Feu. Dans la nuit. Le feu, c'est quoi, le feu? La nuit, là, là. C'est quoi? Le sable, là. Ouais. C'est salé, quoi. Ouais, mais le sable est salé, mais après... Oui. Après... Là, là, c'est un mélange sable et de sel. Oui, le sable, là, on prend ça. Et avec le truc, la roue, façon. Ah, dans une espèce de... Oui, on prend ça, on ramasse ça, on met ça dedans. Il y a un panier qu'on fait et on met ça dedans. Ok. On met l'eau là sur ça. Et il y a quelque chose... Ouais, un panier pour filtrer, ouais. Oui, oui, avec oui, des tout petits trous. Oui, oui, oui. D'accord. C'est ça qui montre qu'il y a ça dedans. Ok. Là, tant que lorsque ça monte comme ça, ça veut dire qu'il y a ça dedans. Mais lorsque ça baisse, tout est venu en bas. D'accord. Parce que j'avais vu avant dans le village, parce que je suis déjà venu plusieurs fois me promener. Sur l'eau, ils ont des trucs en fer, les coupelles en fer. Et l'eau, elle s'évapore dedans. Et c'est que le, ça, c'est une autre façon de récupérer. Oui. Ah. Tu peux me montrer? Sapano. Babylon. Il a dit que tu vas promener un peu avec lui. Pas de problème. Pas de problème. T'as l'argent, hein? J'ai donné l'argent déjà, tu vois. Je reprendrai 5 000. Pas de problème. Tiens, allez. Madame, vous allez être guide pour moi alors. Ah, super. Je parle français, un peu. Pas de problème. Ok, je vous suis. Je vous suis, patron. Bonjour, madame. Bonjour. Tu vas voir ici, c'est l'église là-bas. D'accord. Oui. Je suis venu ici avec ma fille il y a 2 ans. La fille. Ma petite fille, ma fille. 2 ans. Oui, je suis venu me promener déjà ici. Hey. Mais ça a beaucoup changé. Avec le projet là. Oui. Ah, même ici ça construit. Ah. Quel mieux va jammy flamme. Donc à la vodou, ouais, de oui quoi. Et pas. Hein? Tu connais le plan? Je connais quoi? Plagbe. Plagbe. Non, c'est tu quoi? Tu n'es pas connu. Plagbe. 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 C'est quoi? C'est grand pot. Tu connais grand pot? Non. Ah. Tu n'es pas connu grand pot. Tu connais Cotonou. Ah, grand popo, la ville. Ah oui, je connais grand popo. Hein? Oui, bien sûr. C'est vous dites grand popo? Oui. D'accord. Ici. C'est Tchekbadi. 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 Oui. C'est qui on prépare le sel. Ah, sel de Tchekbadi. Ah, ok. C'est le nom du village, Tchekbadi. Oui, Tchekbadi. Oh. Ok. Tchekbadi. Né ici? Oui. Vos parents sont nés ici aussi? Oui. Mon papa il est mort. Un an. Oh, désolé. Oui. Désolé. Tu vas voir ma maison. D'accord. Tu vas venir encore, tu vas venir. Ok. Pas de problème. Tu vas.
Sangbeto. Sangbeto. Et c'est pour le, c'est pour le vaudou? Oui, c'est le vaudou. Ok. Ça, c'est pour faire les prières. Il faut être plein, non? C'est... Ah, you know. C'est un temple? It's like a temple? Un temple vaudou? C'est cool. Vaudou. Tiens. Ok. Je vais te parler, papa, on va te parler pour toi. Ok, merci. On va parler pour toi. Tu vas plein. Il va, me, oui. Il va m'expliquer. Ok. Oui. Faut du bruit là. Oui. C'est mon village. J'aime beaucoup. Oui. Moi, je suis né dans un tout petit village aussi. Ah. Mon village, seulement 50 maisons. 50 maisons. Personne. Tout petit, plus petit qu'ici. Mm. Tu viens encore là, tu vas venir mon maison. Pas de problème. Oh, merci. D'accord. Hello. Comment ça va, bébé? Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes bien? Ça va très bien, merci. Je suis content d'avoir rencontré madame. Elle est très gentille. C'est votre épouse? Non, c'est ma soeur. Votre soeur, ok, ok, ok. On part. Ok, pas de problème. Hello. On va te dire ce qu'il faut dire de là. D'accord. Merci. Toi. Merci, merci beaucoup. Tu vas faire les un pas. On va. D'accord. Parler pour toi. Ok, merci, c'est gentil. Après. Le projet, c'est le gouvernement qui a, oui, oui. Qui a choisi de faire ce projet? Oui. Ça, c'est le projet route des pêches. La route des pêches, ouais. Oui. Donc ils vont faire des grands hôtels ici? Voilà. Des grands hôtels. Et pour vous, pour la communauté ici? Pour la communauté ici. Il va y avoir quelque chose? Oui, je vois. Ouais. Ils ne vous ont pas embêté quand ils ont voulu construire ça? Oh non. Non. On a fait mettre ici sur le travail. Ok. Oui. Donc ce sont les gens, il y a des gens d'ici qui travaillent pour aider là? Eh oui. Ça amène un peu de travail. Oui. Voilà, c'est le couvent de Jean-Breton. Ok. Ah, c'est un couvent à la base. Oui. Ouais. Ouais, ouais, l'écrit. Festival avril 2009-2022. Il y a des festivals vaudous, c'est ça? Voilà, ouais. Voilà, voilà. Nous avions fait la grande manifestation il y a de cela 12 ans. D'accord. Et les 12 ans, nous l'avions fêté les 12 ans. Ok, oui, je comprends. Oui. Ah, donc c'est cette année que vous avez fêté la... Oui, ça fait une semaine déjà. Ah, je suis en retard. Ah, il fallait que je vienne avant. Lorsqu'on va s'échanger des contacts, là, s'il y a un mouvement... Grandiose. Ok. On pourrait s'appeler. Ah, ça serait très gentil. Oui. Je viendrai vous voir. Hein. Voilà. Pas de problème. Okay. Quel est votre prénom? Moi, c'est Laurent. Laurent. Oui. C'est Ludovic, mon nom. Ludovic. Ludo, oui. Bonjour. Ah, nous avons les ailes. Ah, pourquoi ça? Ludovic, ça veut dire quoi? Ludovic, ça, votre nom commence par L. Okay. Ah, Laurent, Ludo. Oui, Laurent, Ludo, les deux ailes. On a les deux ailes, voilà. Donc, c'est le couvent. Le Jean-Breton, lui, il ne fait pas du mal. D'accord. Il veille à la sécurité du village. Oui. Et s'il y a les mâles d'hommes, lui, quand il sort la nuit ou le jour, ça évacue les mauvais faits. D'accord. Donc, okay. Ouais, c'est, ils ont leur nom. Ok. Avion, premier. Edromédé. Voilà. C'est lui le directeur. D'accord. Ouais. Donc en fait, ça, ce sont les différentes divinités vaudou qui sont représentées. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça, là, c'est... Ici, là, il s'appelle Aïno. Aïno? La terre. La terre, ok. Ok. Très intéressant. Voilà. C'est ça. Et des fois, vous faites des célébrations ou des offrandes? Oui, voilà, voilà. Pour le rappeler. Oui, bien sûr. Pour le bienfait de tout le monde. Voilà. C'est ça. Très bien. Très intéressant. Bonjour, ça va d'allô? Bonjour, madame. Bonjour. Il faut la voir, mais. Donc, ça échappe les mauvaises. Ah, d'accord, on peut faire l'offrande à l'intérieur dedans. Voilà. Okay. On ouvre la porte, on va faire tout sacrifice concernant.
Ok, des sacrifices, et, un poulet par exemple, un mouton, quelque chose comme voilà, cela. Voilà, oui. Mouton, coq, c'est ça. Et si vous avez quelques idées, vous pouvez venir lui dire votre secret. Vous, vous faites super seulement. Moi, je vais rester au derrière, les gens vont rester au derrière. Vous allez parler à lui. D'accord, on s'adresse à lui. À lui, on lui explique nos problèmes, tel, nos secrets. Telle difficulté. Si vous essayez de m'ouvrir, d'ouvrir la porte de bienveillance à moi, et jusqu'à un système, je viens, je vais offrir un cabri ou quoi que voilà. Votre proposition à lui. D'accord. Ok, donc on met l'offrande à l'intérieur. Oui. Oh, ok. Très intéressant. Et là, là, c'est la divinité qui est représentée, c'est cela? Oui. Ah oui, d'accord. Ça me fait penser à la tradition des hindous. Voilà. Oui, il y a un papier à terre. Oui. Oui. C'est une parole qui est dite. D'accord. Et le concerné qui a demandé. D'un jour à un autre, il va voir le bienfait et va lui donner ce plan. Je comprends. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour les explications. Là, vous, vous parlez très bien français. Oui. Et par exemple, la dame, votre sœur, elle parle un peu moins bien français. Oui, oui, oui. Quelle est la langue que vous parlez tous les jours? Comment elle s'appelle, cette langue? C'est la langue Kula. Kula? Kula. Kula. Ça veut dire Popo. Le Popo. Ah, c'est la langue de Grand Popo? Voilà. D'accord. Il y a un lien entre les gens de Ouida et les gens de Grand Popo? C'est oui, les oui, mêmes oui, communautés. Oui, oui. Il y a des liens. En histoire, Ouida fait partie de Péda. De Pira? Péda. Péda. Ce qui veut dire? Eux, leur langue diffère de notre. On va louer. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Ici c'est la crêpe. La crêpe, crêpe, c'est quoi ici? La crêpe? Oui. Là c'est une caisse mutuelle. Ah, la caisse des cultivateurs de sel, non? C'est cela? Non, non, c'est pas seulement de sel. Toutes les activités ici, voilà, tout le monde fait partie du syndicat pour défendre les intérêts de la population, enfin de la communauté. Oui. D'accord. Moi, ma deuxième maison, c'est là-bas. Vous voyez le portillon qui vous passe. La première qui est là? Oui. D'accord. Ok. Et vous-même, vous travaillez, monsieur, encore? Vous faites quoi, là, comme travail tous les jours? Je suis assesseur au tribunal de Ouida. En retraite. D'accord. Je fais la pêche. Et les activités d'élevage. Voilà. Le village de Gbadi avec ses hameaux que vous voyez de part et d'autre. Oui, il y a plusieurs hameaux qui sont autour du lac. Voilà. Nous sommes sur une île. Et chaque village, chaque petit îlot a une petite île différente. Ouais. Et a un nom aussi différent. Ah, non. D'accord. Ici, on appelle ici Kobudji. Kobudji, ici. Oui. Et donc ça, par exemple, ici, là ma deuxième concession s'appelle Dukudokodji. Dukudokodji, ok. Dokodji, Dukudokodji. Voilà. Ah, ok. Et juste pour dire bonjour à la maison. Pas de problème. Oh, et ça, c'est un piège pour les poissons, ça, non? Oui. Les jeunes de mon quartier. Ah, qui ont fabriqué ça? Voilà. Ah, c'est une bonne initiative. La première fête, la première cueillette. D'accord, c'est vous le patron. Oui. Mais aujourd'hui, je suis chef. Vous avez pris le repos maintenant. Oh, oui. Vous avez laissé le flambeau au plus jeune. Mais il veut que je revienne. Ah, pourquoi?
c'est le Seigneur qui donne. Et alors, parce que, pourquoi ils veulent que vous reveniez? Parce que vous avez beaucoup d'expérience? Ouais, voilà. Vu qu'à l'entrée, là où ils font les travaux, il y a des jeunes qui creusent pour passer un tuyau avec de l'eau qui va venir vers le village là aussi? Oui, je crois. D'accord. Ok. Le pont sur lequel vous aviez parlé de la plage. Avant le premier pont, oui. C'était mes initiations. Oh, félicitations. Et ici, c'est les jeunes de ce quartier qui ont fait ça. Ils jouent au foot, oui. C'est le terrain de foot. Voilà, c'est mon impression. Je suis né ici. D'accord. Donc c'est la maison familiale. Et vous habitez ici avec vos frères, oui, toute la famille ensemble, c'est cela? C'est la famille élargie? Les frères et sœurs sont à Koutou. D'accord. Mais ils viennent. Ils viennent passer le week-end pour vous rendre visite? J'ai les enfants de mon grand-père. Eux, ils habitent là-bas. Là. D'accord, dans le village en face? Non, ici, dans la maison. Ah, le d'accord, bâtiment. Ok, d'accord. Bon, vous êtes ensemble. C'est le bâtiment de mon grand-père. D'accord, c'est votre défunt papa qui habitait ici. Érigé par moi. Je ne vais jamais l'oublier. Ma chambre ici, c'est ça. D'accord. Ah, ne dérangez pas, ne dérangez pas. Ah, ça m'embête de déranger madame. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Vous êtes au frais? J'ai rencontré votre époux qui me fait une petite visite. Tout va bien chez vous? Ça va? Super. Mais il y a la santé. C'est le plus important, hein, la santé. Hein. Ah, je vois, vous vendez le gari là? Oui. Ça, vous allez vendre là-haut dans le village? Oui. D'accord, elle se promène et elle vend un petit peu. Place, oui, voilà. D'accord, voilà. Ok. Madame, bonne matinée à vous. Merci. Bonjour. Un piège comme ça. Il nous faut quelques planches pour réparer ici. Ouais, il manque quelques petites planches. Hein. Quand les enfants ils ont fait le piège là, ils ont fermé un côté. Et quand ils ouvrent, combien de kilos de poissons on peut avoir dans un piège comme ça? Plutôt 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos? Plus que ça. Plus que 5 kilos? Plus que 5 kilos. D'accord. Si c'est fritueux, on peut avoir 20 kilos. 20 kilos de friture. Sinon au-dessus de ça. Ouais. D'accord. Ah oui. Et alors, les 20 kilos là, combien de temps vous gardez le piège? Combien de temps vous faites rentrer les poissons? Lorsqu'ils avaient fait ça, ça fait moins, je crois, 3 à 6 mois. Ah d'accord. Oui, donc il faut quand même attendre longtemps. Il faut des branchages. Il faut des bois un peu verts. On met dedans, parce que les poissons vont grignoter ça. Ils grignotent le bois vert, ouais. Ah ouais. Et on peut donner aussi des aliments dedans. Là, ouais. C'est ça qui va la survivre. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est le même mode de pêche ancestrale, comme il y a dans les villages, surtout les villages lacustres. Oui. On fabrique un piège avec les branchages, oui. Et puis on resserre. Voilà, c'est oui, ça ouais. Oui, vous avez compris. Oui, oui, oui. Comment dire, j'allais dire les connaissances traditionnelles, oui. Les connaissances ancestrales, on oublie tout ça nous. On oublie, hein. C'est vrai que le développement, souvent, ça amène à oublier une part de sa culture. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Mais on ne doit pas oublier certaines choses. Non, c'est très important, c'est ce que j'essaie moi, de dire. J'aime l'écrit. Oui, parce que l'écrit fixe les choses. Voilà.
Bonjour. 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 Ah, vous êtes où, on est quand là? On est quand là? Salut, toi, ouais. Quand on passe la frontière, avant on est Oibo, et en arrivant au Bénin, on devient Yovo. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, bah tiens, je te reconnais, toi. Hello, hello. Ah, oh, very smiley now. She was afraid before. Lagos. Ouais, j'habite à Lagos, ouais. Ah, yeah, stay for Lagos long time. How long did you stay 97, there? 1981, you know? Uh-huh. 71. From 71 to 91? 81. I come back from my village. Oh, okay, you were born here? Yes, I born here. 10 years in Niger. Merci, madame. I born here. How do you like it, Nigeria? Yes. Not too busy? Busy? Yes, Nigeria, yes. C'est très... Yes. Très, très busy. It's très busy. Ah. Enchanté, monsieur, enchanté. Regardez, mais là, tu vas revenir. Ah, this is my friend. Yes, Togara. We are from Lagos, Nigeria. To, yeah, he told me he was staying in Lagos before, too. I see. If I could choose, I will leave Lagos. I will build my small house here. Yes, I'm a countrysider. Je viens d'un tout petit village, moi. Yes. I was born in a village like 50 houses in my village. The village is even smaller than this village, actually. The village where I was born. Beautiful. Thank you. Beautiful. Merci, merci, ma soeur. Eh bien, vas-y. Oh, là, c'est les bananes. C'est à vous, ça? Tu vois, ancien drégué, maison. Ok. C'est ancien drégué, ça. C'est, d'accord, oui. C'est ancien drégué. Ok, ça, c'est le puits. C'est pas fini encore. Oh. Il faut rater. D'accord. Tu vois, le calendrier là. Oh. Tu vois, non, c'est ancien dragueur. Ok. Je vois, je suis chez quelqu'un d'éduqué. Oui. Chez un lettré, comme on dit chez moi. Tu vois, non. Ça, c'est toute l'histoire. Oui. Tu vois le sel. C'est qu'on prépare le sel. Ok. Vous faites bouillir l'eau. Oui. Ok. Ah, soda. D'accord, ok. Sans problème. Ça, c'est quoi dedans? C'est fait avec quoi ça? L'alcool, c'est quoi? C'est les. À l'école. C'est quoi? C'est fait avec quel fruit? Il y a des différentes racines. D'accord, ah, ce sont des racines. Comme le ogogoro au Nigeria. Voilà. Pour réveiller le matin, ça c'est. Tu vois le tout. L'apéritif. Oui, c'est ça. Ah, ça passe tout seul, ça a l'air de passer. Crème, comment on dit chez moi. Yeah, yeah. Je suis comment qu'on prend okay. Merci, merci, merci. Hey, oh, oh. Tu n'as pas mangé. J'ai pas mangé, mais c'est pas grave. Allez, merci. Ok, this is my glass. Oh. C'est très bon. Tu as le problème là où on a. C'est bon, non? Oui, c'est bon. C'est pas très fort. Bon, non, oui. Not so strong. Voilà. Voilà. Tu vas prendre. Moi, je suis assez là. C'est bon, ça. Tu vas plat, hein? Ouais. Non. Tu vas pas. Ouais, la tête. Sur 2000. La tête. Je vais plat pour ouais. Toi. La vie là, bon, hein? Moi ça sera la vie. Oh, ah. La fois passée là. Tu vois, non? Ok. Alors ça c'est une dame qui boit bien, hein. Je mange là que tu étais ici là, hein. Oh, on est en joie, le vent d'avant. Les danses là-bas, les vaudous. Ah. Le dimanche, c'est le samedi et le dimanche. Oui. Ce que je vous ai traduit là-bas. Là. D'accord. Je vous donne un bouteille colombonais. When we wake,
birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. All these are about vocal culture. I hope you guys enjoy it.